Et voilà, bonjour à tous les amis pour ce 17e épisode de KT, l'évolution du millénaire, saison 3. Je sais pas, j'ai envie de rajouter un petit titre sur la série, mais je vais y réfléchir. J'ai déjà une petite idée, mais on va voir, parce que KT, l'évolution du millénaire, j'ai envie de raccourcir un peu. Donc on va aller voir un peu ce qu'il en est. Pour l'instant, ça c'est quoi? C'est un marchand d'armes. Marchand d'armes. De nourriture, il n'y a pas un marchand de trucs combattants. Ah mais la maison du charpentier, mais je sais pas comment on l'a fait. Bon, on va aller voir les autres villages parce que c'est pas du tout. Ah, j'ai dit que je voulais aller chercher, comment dire, la cisaille. Voilà, parce que à chaque fois je passe, mais à chaque fois j'oublie la cisaille parce que j'en ai un petit peu besoin. On saute. On va toujours la garder avec moi parce que c'est plutôt utile. La cisaille, je l'ai mis où? Faut vraiment que je fasse cette salle de coffre. La cisaille, elle est là. Hop. Avec un squelette qui doit être très très loin. Mais ça, on s'en fout pour l'instant. Alors, hop. Oui, on va se déplacer avec rien dans la main. Ah, on va peut-être manger parce que je commence à avoir faim. Voilà, hop. Hop. Ah, dépêche-toi. Ah aussi, bah si je reste sur... Ah, sur qu'a été l'évolution du millénaire, c'est que... Bah, tout simplement, bah j'apprécie de le faire, donc... Tout simplement, et là j'ai vraiment envie d'avancer à fond cette série, que me disperser dans trop de séries Minecraft. Ah, sa maison n'a pas apparu, c'est pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il veut, lui? De la laine blanche. Comme par hasard, j'en ai pas. Ah, je vais en chercher, alors. Ça tombe bien, j'ai pris ça. Je sais qu'il y a des boutons pas loin, on peut y aller. Tiens, bon, on a déjà un. T'en vas pas trop loin. Il me faut de la laine. Oh putain, il m'en manque un. Si tu pouvais manger, récupérer ta laine, ça serait pas mal. Mais il évitera d'aller à 15 à perpète pour aller chercher de la laine. Oh, on a trouvé un autre mouton. Tiens, bah toi qui étais perché dans l'arbre. Voilà, j'ai mes 4. Je peux aller en emmener au moins. J'ai ça. Je suppose qu'ils veulent faire avec, mais on va leur filer. Ça va nous faire quand même une sacrée ville au fur et à mesure, ce truc là. Ces trois villages là, c'est franchement nickel. Hop, voilà. Alors, emmener les blocs de laine, il en faut 4. Ah, tu me fais peur. Oui, mais ça, je m'en fiche. Alors, c'est ta copine que je veux qu'elle arrive. Échappe, sauvegarde et quitter, solo, et oui je sais encore, mais je peux pas faire autrement, ça. Je bug, donc voilà, oui, elle apparaît, donc, hop, on va y vendre la laine, qu'est-ce qu'ils veulent construire avec ça, 6, construction élevage porcin, 31 mètres au sud, alors le porcin, il est juste là, je sais pas pourquoi c'est en noir, élevage porcin. Voir ce qu'ils veulent faire avec ce foutu élevage porcin, peut-être des lits, je vois pas ce qu'ils peuvent faire avec de la laine. Bon bah c'est pas grave, hein. Si c'est comme ça que t'as pas un animal, on n'est pas prêt d'avancer. Ouais bah comment dire, si tu as un animal comme ça, on n'est pas prêt d'en avoir. J'espère qu'il y en aura d'autres. Heureusement que j'ai mes poulets, hein, parce que comme un con, il est là. Bah, c'est encore un bug, hein, vous inquiétez pas. Pour l'instant, bah, moi, ça va que la map, elle plante pas, donc je peux continuer. En fait, j'étais parti avoir... Ah, bah, il y a plein de moutons. On va aller se faire encore un petit stock de laine. Donc, on y est. Au passage... Je sais que c'est pas très aventureux, mais
C'est pas grave. Hop. Viens par là, toi. Ah bah il y a encore plein de moutons par ici. Il est toujours le cochon, il bouge pas. Ah bah voilà, on va se faire un peu de stock. Viens par ici, hop. Toi aussi. Voilà. On va aller voir ce qu'ils veulent. Putain, il y a un mouton marron là-haut. Ah bon, on va aller le chercher. Par ici, donne-moi ta laine marron. Je sais pas si ça servira un jour. Ah bah il y en a encore un autre là-bas. On va en profiter. Hop là. Bon, les vidéos maintenant, de toute façon, elles font tous à peu près 20 minutes. Bah dès que mon chronomètre sonne les 19, je me prépare à arrêter, soit à rentrer. Donc voilà, pour moi c'est plus facile. Ben, c'est vrai qu'en plus avec le codec que j'ai pris. Ça fait des tailles énormes et je mets des un temps infini pour le faire. Donc eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ah bah ça tombe bien, j'ai la laine blanche. Toi, qu'est-ce que tu veux? Pas de terrain, pas encore disponible. Fréquent, non, je veux pas calomnier. Ayant d'excellentes relations, accepteront leur adolescence s'ils ont des postes disponibles. Bah ouais, voilà, elles sont en excellent. Ah bah tiens, pour une fois, j'ai pas besoin de faire. Alors, 1, 2, 3, 4. Ah. On va essayer de pas éternuer, ça serait bien. Ah non, t'en manques encore. 2. Désolé, mais j'ai envie d'éternuer en plus, c'est pas vraiment au top. Alors la carrière, elle est où? La carrière. Non, c'est pas ça. Oh, désolé. J'espère que ça s'entendra pas tôt dans la vidéo. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein. Là. Hop, on va aller voir ce qu'ils font avec ça. C'est là. Là, qu'ils sont en train d'améliorer. Ouais. J'ai pas trop bien compris ce qu'elle est en train de faire, mais. Qu'est-ce qui chauffe là? Non, bois de la pierre. Ils font bien leur boulot tout seul. Ah, elle a dû faire des lits, je crois. C'est pour ça. Bon, on va un peu voir ce qu'ils veulent d'autre maintenant. On va voir à quoi on va se préparer. Touche vachement bien les vierges. Il faudrait qu'un jour que je pense à mettre de quoi voler sur ce. Un coin pour voler. De la roche, encore des trucs à chauffer, donc faudra que je fasse encore beaucoup de minage hors caméra pour pas vous le faire subir. Sauf si vous voulez, hein, vous le dites. Hein, donc, hop, bon, on retourne par là. J'ai encore le temps quand même. Pas que je trouve des trucs intéressants. Mais. Hop, putain, il y a un mouton par là. Tiens, donne-moi ta laine. Toi, tu l'as récupéré aussi, t'es sur le passage, donc on va te récupérer. Viens ici, mon pote. J'ai toujours pas vu pour les combats, en parlant de ça. J'y pense. La roche, on va pas s'amuser à la faire avec vous. Hein, parce que sinon, je sais pas combien de stacks, on n'a pas fini. Oh, puis il commence à faire nuit. Je crois. Ah ouais. Je trouve un endroit où dormir. Y a pas un des lits qui traîne? Ah bah si. On peut pas dormir là. Non, c'est encore trop tôt. Bah oui, mais t'as allé tu pas tes cochons. Allez, pousse-toi. Moi, je vais dormir. Tiens, hop, voilà. C'est quand même pratique d'avoir des lits à droite à gauche. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais oui. Au moins, elle a pas bugué pour aller dormir comme l'autre.
Voilà, la porte. L'entrée principale, elle est où? Ah, et par là. Je retrouve. Ça, c'est quoi ça? C'est des habitants tout simple. Hop, c'est ici. Ah! Coupe du bois. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Et de la pierre. Bah voilà, comme par hasard. Oh, vous faites chier là! Faut pas me demander autre chose que ça, non? La pierre. Bon, on va essayer de trouver quelque chose à faire pendant la... pour la fin de cet épisode-là. On va pas s'arrêter là, quand même. Ah, ils veulent faire la maison du charpentier. La maison du charpentier, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. C'est bizarre qu'il faut pas comme l'autre. J'avais bien avancé, j'avais le... la genre de flotte qu'ils avaient fait autour, les douves, là. Ouais. Ils veulent toujours pas de construction en cours. Maison du charpentier. Ah oui, mais je sais pas comment on fait les colombages. J'aurais bien, mais les colombages, je sais pas comment on les fait, donc c'est un peu embêtant. Hop, on va manger. Ah, font chier ça. J'ai pas pensé au colombage, sinon je saurais. Je crois qu'il leur faut de la laine. Tiens, bon, on va couper un peu de bois, ça fait longtemps. Est-ce que j'ai une hache sur moi? Comme par hasard, non. Oh, j'avais de la pierre, mais... on va essayer de faire un... on va se fighter un peu, tiens. Alors, air au fait. Mes wave points, ils sont toujours là, bah oui. Ils ont pas été perdus, c'est bien. Trouve l'entrée de ma mine. Ok, de quoi faire un peu de fight dans la mine. Hop. Maintenant, R pour enlever le wave point. Voilà. Maintenant, je commence à connaître un peu... l'endroit à force de jouer. Ça fait déjà plus de 10 heures que je suis sur la map, alors. Bon, moi, je suis content que ce coup-ci, ça plante pas. Tiens, il y a du fer. Mais là, on va en profiter pour le récupérer. C'est toujours utile parce que, comme vous voyez, ils en demandent. Donc... bon, comme je dis, je sais pas où va aller cette saison. Hein, donc, bon, si elle fait beaucoup d'épisodes, on passera peut-être à autre chose par la suite. Hein. On pourra rester tout le temps à... sur ce truc, mais... ou faire d'autres saisons. Moi, je continuerai à jouer perso. Ça, y a pas de souci. Hein. Ça, c'est pas le genre de truc que j'arrêterai. Ah, il y a de la lave ici. Mais c'est dangereux de faire des trucs là. Parce qu'avec le village au-dessus... hop, on récupère notre charbon. Ça aussi, ça sert toujours. En même temps, je récupère un peu de pierre, des niveaux, tout faire en même temps. On va y mettre une torche là. Combien de temps il me reste? 4 minutes avant que le ce gentil petit téléphone se mette à sonner. Donc on va regarder tout ça. Hop. Yep. Bon, on gagne pas beaucoup de... voilà. Là, qu'est-ce qu'il y a par là?
pas grand chose. Ah si, du fer. Bon, vu qu'on est là, on a le temps de récupérer. Hein. C'est toujours utile là. Voilà. Tiens. Hop. Une fois que je me fasse un. Je me refasse un stack de torches. Ah, il y a beaucoup de charbon là. Tu veux que je me retrouve au fait? Hop, le charbon. Après, on va se retourner par chez notre maison. Hop, on récupère un peu tout ça. Voilà. Bah, sinon, en même temps, bah, j'espère que les autres let's play vous plaisent. Hein, donc. J'essaierai peut-être de vous faire un sondage sur genre les séries que qui vous plaisent. Que, sinon aussi bah pour le Yu-Gi-Oh d'hier, j'espère que ça vous plaît aussi, puisque je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs du Yu-Gi-Oh dans le monde. Donc ah, j'ai peut-être encore un truc là. Ah, c'est peut-être là plutôt que j'avais des trucs à fighter avant. Que j'étais, c'est là où j'avais fait tout un chemin. Bon, on va pas trop s'aventurer là. On va rentrer tranquillement à notre petite maison. Voir un peu le tri de tout ce que j'ai dans ma salle. Bon, j'ai déjà un coffre matériaux. C'est déjà pas mal. Ça, au moins, c'est fait. Bah, j'essaierai aussi de vous en. Si possible, de faire deux épisodes, mais là, comme avec la taille des fichiers que ça fait, un petit peu gros, donc on va éviter. Parce que ma connexion est un peu pourrie en ce moment, où je sais pas, d'habitude j'avais l'impression que j'uploadais plus vite avant, mais là, c'est vraiment, vraiment pas au top. Tiens, au fait, il faudrait que je voie aussi ce petit poulet. Donc, avant le prochain épisode, je vais essayer de vous miner un peu tout ça. Tiens, en parlant de ça, je crois que je dois avoir du fer à faire chauffer. Hop, ouais, ça tombe bien. J'ai une pile poil 16. Ça, je peux faire chauffer en deux fois. Hein, la bouffe, j'ai ce qu'il faut. Là, surtout matériaux. Bon, je ferai plus tard. Parce que là, j'ai pas énormément de trucs, mais on verra au fur et à mesure. Le charbon, bah. Hop, voilà, on va en garder 25. Bah, ça avec moi. On remplir mes deux stacks. J'avais dit que je voulais faire. Est-ce que j'ai du bois qui traîne avant que ça coupe? Ah bah tiens, j'en ai là. Hop. On va faire mon petit stock. Oh non, je prends la moitié. Voilà, on va faire tout ce qu'on peut. Alors, hop, des torches. Un stack. Non, j'en ai combien là? Hop. Voilà. Ouais, bon, c'est bon, j'en ai assez. On va pas trop user. La laine, on la garde avec moi. Ah, moi je vais arrêter mon chronomètre. Ça évitera que vous l'entendiez parce qu'il reste 3 secondes avant que ça sonne. Donc, c'est pas la peine que je me fatigue. Donc là. Spécial, ça faudrait que je trouve aussi. Ça, le bois, hop, on va le mettre ici. Bon, ben, je crois que c'est bon. Là, c'est en train de chauffer tranquillement. Hop, par ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai des coffres qui sont vides. Ça, c'est le coffre, normalement, où je mets les pierres. Donc, on va la poser là. Hop. Donc, je poche grand-chose d'autre à vous dire. Je pense que bah, l'épisode va s'arrêter là. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ce 17e épisode de Kite et l'évolution du millénaire. Donc, comme je vous dis, je vais peut-être essayer de modifier un peu le titre, je sais pas, donc je vais voir. Parce que c'est vrai que Kite et l'évolution du millénaire, ça fait un petit peu long. Et voilà, peut-être aussi de changer de titre pour voir, je sais pas. Donc, sinon, bah, faudrait que je me renseigne aussi sur le fameux, je crois, c'est V, je crois, non, c'est. Non, merde. Ah,
D, je crois qu'on peut voir. Après, c'est M. Voilà. Donc, N millénaire, culture. Ah, je connais pas ça. Niveau de langue minime. Alors, en culture normande, réputation correcte. Niveau de langue courant. Oh, mais d'autres, j'ai pas trouvé, donc. Alors, niveau de langue. Hop. Statut de la quête de la création. Vous n'avez pas commencé le chapitre Le Sadou. Trouvez un villageois qui puisse vous guider dans un village indien où vous avez la réputation ami du village. Vous n'avez pas commencé le chapitre L'Alchimie. Trouvez un villageois qui vous guidera dans un village normand où vous êtes au moins ami du village. Ah bah je pourrais faire l'alchimie aussi plus tard. C'est une nouvelle quête à faire ça. Quand même pas mal de choses, je pense que cette série là va faire beaucoup d'épisodes. Bon bah je vous remercie, je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Allez, ciao ciao les amis!